Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genre, mauvais genre, confiné, non-confiné, Covid-19 et non-Covid-19, c'est bad news. Aujourd'hui, c'est une introduction sans erreur et sans AVC et j'en suis très fier, générique. time for Bienvenue dans Bagnos spécial confinement. Je rappelle que Bagnos c'est une émission. Et voilà. Je rappelle que Bagnos c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on a une belle brochette de confinés. Je rappelle que Bagnos est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite avec une en bref de Némésis. Le Luxembourg aussi est en plein confinement et ça n'empêche pas notre homme de passer l'après-midi chez des potes à boire de l'alcool. Complètement Pété, il part euh, pour rentrer chez lui vers 20h30. Sauf qu'il rentre pas directement chez lui, il se promène dans la rue et commence à sonner chez les gens. Et il leur demande de descendre en leur disant qu'il avait des chocolats pour eux. Viens, viens, moi j'ai des chocolats pour toi. Et dans son chemin qu'il ramenait chez lui, il est tombé trois fois par terre. Un voisin a appelé les secours car la chute. La dernière a été vraiment très moche. Des ambulanciers sont venus, une patrouille de police aussi. Ils l'ont ramené chez lui, examen. Les ambulanciers et la police s'en vont. La police lui dit de faire profil bas. Le mec se dit, eh, pas de soucis. Et vers 22h, le gars est ressorti dans la rue, toujours pété, sauf que là, il a deux armes à feu dans les mains. Et ce coup-là, il disait pas aux gens, « Eh, venez, je vais vous donner du chocolat. » Là, il était avec ses armes à feu, il a dit, « Qui est le connard qui a appelé les flics ?» Et il demandait à tous les voisins qui étaient le connard qui avait appelé les flics pour essayer de le buter. Voilà. Une nouvelle patrouille est arrivée, l'ont neutralisé au sol. Ils ont saisi un Beretta et une carabine militaire Colt M4. Trois autres patrouilles sont arrivées, ils ont ouvert chez lui, ils ont trouvé 17 armes au domicile de l'individu qui serait un chasseur. Bref, si en période de confinement quelqu'un sonne à votre porte et vous dit euh, Viens j'ai du chocolat pour toi, ne sortez pas. On passe aux vidéos aux vidéos on passe aux vidéos confinement de Marine. Bah ouais, bah moi je suis dégoûtée, mes savettes ils ont pas l'attaque coronavirus. C'est toujours pour ma gueule façon. <laughs> quelqu'un En bref, de Steve. Ça se passe en Angleterre. Un britannique de 27 ans a été condamné à 5 ans de prison pour, pour avoir jeté un téléphone portable. Vous me dites, mais, mais enfin, mais pourquoi Davy Ah, je vous explique euh, ça se passe en, au centre de l'Angleterre euh, et Levy Ognen, euh, mère de famille, euh, donc de 26 ans, mariée donc à ce Britannique de 27 ans, s'engueule avec euh, ce jeune homme. Les deux se disputent violemment. Là, euh, de rage, l'homme prend son téléphone portable et le jette sur sa femme. Sauf que le téléphone portable va la taper dans la nuque, sur le dos, coup net, et elle est morte. Morte sur le coup. Le gars, c'est Grinaro avec un téléphone portable. Le gars, tu l'emmerdes, il fait ah, ta, ta, ta. ah, mort. Bon, bref, euh, il, a, il a dit qu'il n'avait pas fait exprès, sauf qu'il y avait une vidéo surveillance puisque l'engueulade a eu lieu dans un centre commercial. Euh, la vidéo euh, surveillance a tout filmé et on voit l'homme en train de tuer sa femme, hémorragie cérébrale, puis crise cardiaque. À cause d'un coup de téléphone. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette bad news. Merci à tous. Contacte comme si vous avez des bad news ou des vidéos. Moins de 45 secondes. Et pas Et des musiques libres de droit. Merci beaucoup. Merci pour tous vos dents tipi. A bientôt. Ciao. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer